Donc on va faire un brochet de rainbolo à trois couleurs. Donc on commence à faire un 8 avec le premier en bas. Maintenant on tourne sur bien un 8. On met là en bas. On va prendre après par exemple une de la première, comme du rouge. Voilà, en deuxième fil. Plastique, qu'on met tout là. Donc voilà, là on a bien le vert, le rouge. On va prendre du blanc en troisième fil, le troisième plastique. Voilà, le blanc. Donc on va commencer par le bas. On prend le vert, on remonte en haut, les deux côtés. Donc avec le avec les doigts, voilà. Donc on descend un petit peu et on replace en haut la couleur qui est au milieu, donc là c'est à dire du vert. Donc je remets un vert en haut, voilà. On répète, là c'est le rouge qui est en bas, donc on prend le rouge, on remonte tout simplement. Avec les doigts, je n'arrive pas. Voilà. Il y arrive, mais moi, ça n'est pas trop gros. C'est pas très facile. Donc, j'ai mis le rouge en haut. J'ai tourné le rouge, remis le rouge en haut. Voilà, le rouge en haut. Là, je prends le blanc. Toujours pareil, on remonte. Un côté. De côté, voilà. Mesure, on va tirer sur les deux fils de couverture pour que ça se sorte de dessous. Donc là, on a mis le blanc. Donc on met le blanc en haut. Mettons le blanc en haut, comme ceci. Et là, on recommence un vert. Voilà, le verre est sorti. Donc là, on va faire sortir un petit peu, comme ça on ira la forme fermée sur le bracelet qui va se former au fur et à mesure. Donc là, on a mis le verre au milieu. Voilà. Donc là, et là, on mettra une couleur, un vert. Je passe le vert. Là, on prend le rouge en bas. Je repasse de chaque côté. Voilà. Toujours on retire un petit peu. Oui. Comme ça, on va mettre sur la forme. Ça va se faire. Parce que normalement, c'est à plat, mais là, pour la caméra, il est sur champ. Donc, pour bien voir qu'on passe. Voilà. Donc là, on met le rouge. Le rouge est là. Il était là, il passe par là. Donc là, on met un rouge. Je mets le rouge en haut. De chaque côté. Voilà. Donc là, on prend le blanc en bas. On passe par-dessus. Donc là, par-dessus. On tire un tout petit peu pour voir la forme du bracelet qui est en train de se former. Vert. Rouge, blanc. Vert, rouge, blanc. Donc là, on descend un petit peu. Donc là, nous allons prendre la couleur là. Le blanc. C'est au-dessus. Donc on reprend le vert dessous. Et on passe dessus.
Tiens, il faut qu'on passe dessus. Tiens, un tout petit peu. Descends élastique en bas. Descends élastique. Non, pas sur. Non, couvert. Toujours pareil. Le verre, on le met dessus. Allez, on le verre. Et le rouge. On le mettra plein. Non, je change ça. Hop. Blanc. Blanc. Le blanc est passé au milieu, on met le blanc en haut. Voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin, vous voyez. On voit bien la forme du bracelet qui se forme. Le vert. Le verre est patient, donc on remet du verre là. Voilà. Le rouge. Le rouge. Le rouge est là. On passe le rouge là. Blanc. Blanc. Je laisse un petit peu de chaque côté. Voilà. Le blanc. Toujours la couleur qui est au milieu, on met par-dessus. Donc là, on mettra du blanc dessus. Voilà, du blanc. Voilà. On prend le vert. C'est du vert, hein, pour celui-là. Hein. Rouge au milieu, rouge en haut, tout ça. On peut faire une couleur, deux couleurs, trois couleurs. Autant de couleurs qu'on veut, du moment qu'on respecte toujours voilà, la couleur qu'on passe au milieu, la couleur qu'on trouvera en haut. Voilà, on tire un petit peu sur la forme du bracelet. Donc le blanc là, on met du blanc. Un est ouvert. Vous ajustez la longueur que vous voulez. Alors, on doit se lier comme un collier. Donc, nous, je pense qu'on va faire un bracelet. C'est sûr, on va faire un bracelet. Une partie du. Hop là, le rouge. Là, on met le rouge.
pas compliqué, hein. Celui-là c'est l'un des plus faciles à faire. Et, parce que là, on n'utilise que les deux, donc c'est vraiment le plus facile à faire. Hein. C'est pas chercher une 14 heures. N'importe qui peut y arriver. Moi si j'y arrive, c'est que les nouveautés. Je peux tout le faire. Non, bon, là on commence bien à voir la longueur, mais là c'est pas assez long, parce que donc nous allons continuer un tout petit peu. Après, bon, on va attacher. Donc là, on va attacher. Ça vous donne l'élastique. Après, on attache avec l'autre bout. Voilà, il est petit parce que bon, on va passer. Hop là, qui rentre dedans. Voilà. À côté. Là, c'est plutôt une grosse bague. Pas une grosse bague, hein. Ouais, une grosse bague. Voilà, la bague. Après, on ajuste à la longueur que l'on veut. Pour faire donc une bague. Un bracelet qui sera un peu plus grand. Donc, oui. Allez, et voilà. À bientôt.